Bonjour, je m'appelle Laura, j'ai 35 ans et je suis directrice commerciale chez Tanaman depuis fin 2023. En tant que directrice commerciale chez Tanaman, je manage une équipe de chargés d'affaires et de responsables marketing. Ma mission, elle s'articule autour de trois points. Le premier, c'est le management. Mon rôle, c'est d'accompagner mon équipe, de la manager au quotidien et surtout de la faire monter en compétences. Le deuxième point, c'est d'écrire, de mettre en œuvre et de piloter la stratégie commerciale de l'entreprise. Et puis le troisième volet, c'est de faire partie d'un comité de direction. Et donc en ça, l'idée, c'est d'avoir une vision transverse sur l'entreprise, sur les hommes, et puis de faire en sorte que l'information, elle redescende, elle remonte régulièrement et que le sens soit compris et partagé par tous. Alors j'ai rejoint Tanaman pour trois raisons. La première, c'est que j'avais envie de rejoindre une petite structure où tout le monde a de l'autonomie et de la place pour avoir un impact fort et immédiat. La deuxième raison, c'est que j'ai tout de suite senti qu'il y avait un projet très ambitieux, avec une vraie vision à moyen et long terme. Et puis la troisième raison, c'est que ce projet, il était réellement porteur de sens, avec notamment des engagements sociaux qui sont réels, qu'on perçoit au quotidien. Et donc dans notre quotidien, finalement, on a un équilibre très juste entre la bienveillance et la recherche de performance. Le premier moment qui m'aura marqué chez Tanaman, c'est avant même mon arrivée officielle dans l'entreprise, parce que j'ai été invitée au séminaire de fin d'année avant de faire partie de l'entreprise officiellement. C'est un moment où j'ai pu rencontrer tous les collaborateurs et faire connaissance dans un contexte très très chouette, avec beaucoup d'ambiance, donc j'ai pu apprendre à connaître tout le monde. Et puis finalement, quand je suis arrivée, je me suis rendu compte que cette ambiance, elle était présente au quotidien, et notamment par des moments assez structurants dans la journée de tout le monde. Par exemple, les déjeuners, on est tous réunis autour d'une grande table sous un de nos arbres. Et donc ça, c'est finalement quelque chose que j'ai retrouvé mois après mois dans l'entreprise. Alors, je voudrais parler de deux valeurs de l'entreprise et qui, moi, drive mes actions au quotidien. C'est la transparence et le focus client. Et je pense que les deux sont très liés. Avec mes équipes, on essaye d'être le plus transparent possible entre nous, vis-à-vis du reste des équipes et surtout vis-à-vis du client. On essaye toujours de lui expliquer pourquoi on peut faire les choses, pourquoi on ne peut pas, que ça se passe bien ou moins bien. On essaye d'être toujours à un très très bon niveau de transparence et c'est ce qui nous permet de maintenir une super relation commerciale avec eux.